Avant Igor et Nicolas, d'autres prisonniers soviétiques ont été accueillis en Occident. En juin 1984, deux soldats soviétiques, Rykov et Klan, arrivaient en Angleterre à grand renfort de publicité. Hélas, l'histoire a mal tourné, non seulement pour eux, mais aussi par ricochet pour d'autres prisonniers que les Afghans étaient alors prêts à libérer. Ce politicien anglais est à l'origine de cette affaire, une affaire qui l'a particulièrement affecté. Je ne regrette sûrement pas d'avoir essayé de les sauver. J'espère que tous deux sont en vie et qu'ils vivent aussi normalement que possible en URSS. Le but principal de cette opération, c'était de sauver la vie des deux jeunes gens. Bien sûr, je pensais qu'ils seraient très sévèrement punis s'ils rentraient en URSS et peut-être même exécutés, car c'est l'histoire de l'Union soviétique. Tout pourtant avait bien commencé. Tout était rassemblé pour que cela se passe bien. En Angleterre, Mme Thatcher elle-même avait donné le feu vert. Lord Bethell avait réussi à convaincre les résistants afghans de libérer les deux hommes. Et c'est cette femme, d'origine soviétique, qui a accepté de se rendre au Pakistan pour prendre en charge les deux prisonniers libérés. D'abord, je m'attendais à voir deux soldats soviétiques. Et je n'étais pas vraiment à l'aise parce que je n'en avais jamais vu. Je ne savais tout simplement pas à quoi m'attendre. Je m'imaginais deux gars costauds, rudes. Et quand je les ai vus, en fait, c'était deux petits garçons perdus, effrayés. Bien sûr, ils étaient très heureux de me voir, mais en même temps, il y avait quelque chose de très touchant, de très enfantin chez eux. Nous étions déjà dans l'avion quand je me suis rendu compte qu'ils étaient en manque de drogue. En fait, ils s'étaient piqués pratiquement une demi-heure avant de prendre l'avion. Ils étaient accrochés à l'opium, et moi je ne le savais pas. Alors, pendant le vol, ils ont commencé à souffrir terriblement parce qu'ils avaient jeté leur réserve d'opium avant d'embarquer. C'était la première fois de ma vie que je voyais des gens en manque d'héroïne, je veux dire d'opium. Je dois dire que c'était assez effrayant. Ils étaient vraiment très malades et je ne savais absolument pas comment les aider. Ils me racontaient, bien sûr, frénétiquement, tout ce qui leur était arrivé ces deux dernières années, tout ce temps qu'ils ont passé en Afghanistan, puis au Pakistan. À la fin du vol, c'était devenu intenable parce qu'ils étaient totalement effondrés. Pour eux, Londres, ça a été un choc, parce qu'il y avait trop de gens, trop de voitures. Ils ont été horrifiés par ça. Ça a été tout simplement un choc culturel évident. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, à la campagne, c'était pour eux en quelque sorte plus facile, plus proche. C'était les mêmes arbres, la même herbe. Quoique, quand même, Oleg Klan comparait tout le temps. Mais chez nous, il pleut différemment. Chez nous, les chevaux sont différents. On ne peut pas les approcher par derrière, tandis qu'ici, on le peut. Il essayait sans cesse de comparer, mais en fait, tout ce qu'il y a ici lui était étranger. Tout, à part l'herbe et les animaux domestiques, peut-être. Absolument tout l'agressait. C'est un problème humain important. Il y a des dizaines et des centaines de jeunes soviétiques détenus en Afghanistan, dans les zones frontalières. Où doivent-ils vivre? Quel est leur avenir? Il est évident qu'un endroit doit être trouvé pour qu'ils puissent s'établir. Alors, j'aimerais aider et j'espère que les groupes de résistants afghans vont se rendre compte que c'est aussi dans leur intérêt et qu'ils doivent veiller à ce que leurs prisonniers soient bien traités et aussi leur donner la possibilité de rejoindre un pays d'accueil. Cet ex-soldat soviétique est passé par la filière de la Croix-Rouge. Il vit actuellement dans la banlieue de Lausanne. En français, il écrit trois lettres. Il est lire une lettre. Pour moi, c'est très dur. J'ai toujours mélangé quelques salades, etc. Rien ne comprend. Je peux comprendre quand je lis. Si je lis pour quelqu'un, il n'a rien compris.
Et comme ça, c'est dur. En 82, la Croix-Rouge avait transféré en Suisse 11 soldats soviétiques prisonniers des Afghans pour une durée de 2 ans. 8 sont rentrés en URSS, 3 ont refusé de revenir au pays. D'abord, j'étais dans ce village, puis j'étais acheté par des bandits afghans. Et je me suis dit que je devais essayer de survivre encore. Je ne savais pas alors que je resterais vivant. Ces bandits m'ont proposé de rejoindre leur bande. Je leur ai demandé « qu'est-ce que vous faites ?» C'est alors qu'ils m'ont expliqué qu'ils attaquaient des bus et dévalisaient des gens. J'ai dit « bon, d'accord, mais à une seule condition, que vous ne me torturiez pas. » Ils étaient d'accord et j'ai donc fait partie de leur bande. Mais je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose car au moment où nous traversions pour la première fois la bourgade en compagnie de 2 types armés, 2 vrais moudjahidines sont arrivés à moto et se sont disputés violemment avec ceux qui m'accompagnaient. Finalement, l'un d'eux m'a pris sur sa moto et nous sommes partis. Ce qui est drôle, c'est qu'encore une fois, je n'ai pas pu le tuer. Il était assis, il conduisait la moto, il n'y avait personne, ni derrière moi, ni à mes côtés. Il avait sa kalachnikov sur le dos et devant les balles et les couteaux qui pendaient. J'aurais pu facilement le tuer car mes mains n'étaient pas liées, j'étais libre de mes mouvements. Mais je n'ai pas pu le faire. C'est ainsi que j'atterris dans l'organisation de Gulbuddin Hekmatyar. Alors que nous dormions, les Afghans nous ont réveillés, nous ont dit « levez-vous, vous partez ». Nous ne comprenions pas pourquoi il fallait se réveiller comme ça au milieu de la nuit. Ils disent « levez-vous, vous partez ». Nous, on leur demande « où ça ?» Ils nous répondent « en Occident ». Et nous, on se disait « quel Occident ?» On était complètement endormis. À ce moment-là, nous n'étions que 2, moi et Didienko, qui lui, depuis, est rentré en URSS. Et alors nous avons fait le calcul suivant. S'ils veulent nous tuer, ils ne vont pas nous donner de vêtements propres. Par contre, s'ils veulent nous envoyer en Occident, ils vont nous habiller. Alors, ils nous ont apporté de l'eau et des vêtements propres. Nous sommes levés et habillés et on s'est dit, ça doit être vrai. Nous nous sommes dit soulagés qu'enfin nous partons d'ici. Ils nous ont embarqués dans une jeep de type soviétique. Ils nous ont transportés à la frontière afghano-pakistanaise, pas loin de Quetta. À la frontière, il y avait des tas de voitures et nous avons vu sur l'une d'elles une grande Croix-Rouge. Et alors nous avons compris que nous étions livrés à la Croix-Rouge. Et là, la Croix-Rouge nous a dit que si nous voulions aller en Suisse, nous devions signer des papiers sur lesquels il était marqué « Moi, un tel, j'accepte d'aller en Suisse pour 2 ans. Après cette période, comment dire, je suis d'accord pour entrer en URSS ». D'abord, nous nous sommes révoltés. Comment ça, je suis d'accord? C'était notre affaire. Si on voulait rentrer, on rentrait. Si on ne voulait pas, on ne rentrait pas. Alors nous avons discuté entre nous et on s'est dit, bon, allons d'abord en Suisse, puis on verra. Là, on pourra peut-être s'évader ou rentrer. Ce sera notre affaire. C'est ainsi que nous avons signé ces papiers et avons été acheminés par la Croix-Rouge, ici, en Suisse. Si Yuri n'avait pas été soutenu par une famille suisse qui s'est battue pour qu'il obtienne le statut de réfugié, il aurait été rapatrié, malgré lui, en Union soviétique, où personne à ce jour ne sait ce que deviennent ses camarades qui, eux, ont choisi cette voie. Oui, j'ai décidé de faire ma vie ici, mais j'ai un rêve. Quand je serai déjà beaucoup trop vieux, quand je sentirai la faim, je veux retourner dans mon pays pour y mourir. Oui.